Salut à tous, c'est Lou, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de Mario Kart Double Dash sur GameCube. Ah là là, Mario Kart, on aime bien Mario Kart. Il y a plein de Mario Kart sur ma chaîne, il y a tous les Mario Kart en fait sur ma chaîne. Il faut qu'on continue le mode miroir, ça va pas être de la tarte. Alors, j'étais sur les légers la fois dernière. J'ai envie d'être un petit peu offensif. Quelqu'un qui tire et qu'est-ce qui serait utile? Le cœur est quand même pratique. Le cœur de Peach en défense. Alors, qu'est-ce que je prends comme comme voiture? Quelque chose d'équilibré, très léger quand même. Elle est pas mal la voiture de Birdo. Bon, on va tenter ça. Allez. On va repartir sur la coupe champignon qu'on a donc eu en argent. Objectif or, bien sûr. Allez, allez, on y croit. Zou, le super départ, ça fait plaisir. Oula, oui, déjà, oui. C'est miroir, Lou, c'est miroir. Oh bah dis donc, déjà de la bleue quoi. On a même pas fini le premier tour de la première. C'est juste hallucinant. Bon allez, je garde ma carapace. Oh, oh super. On n'a pas eu le temps de la... Ah, on n'a pas eu le temps de tirer ma carapace quoi. Bon, c'est pratique avec Birdo, on a quand même le carapace rouge en fait illimité, enfin illimité, avec son spécial. Je suis pas sûr que passer sur le... Oh purée. Oh, oh. Ah non mais ce Mario Kart c'est de loin le plus dingo dingue. Mais ça va dans tous les sens. Oh purée. On serait même pas être trop loin non plus dans le classement. Oh non, je suis passé entre les objets. Oh oh. Ah purée. Septième. Non mais non. Bon, comment dire. Oui, oui. La musique veut tout dire. Ça va être un petit peu dur de faire de l'or avec ça. Bon. On va dire que c'était pour se mettre en jambes, hein. Non mais je veux débloquer les derniers pilotes quand même. Peach m'a pas beaucoup aidé. J'ai pas eu son cœur une seule fois. Mais alors, sinon, attends, le triple carapace, ça peut être pas mal aussi. Ça peut être pas mal aussi. On va peut-être tenter ça, tiens. Et alors, le véhicule était pas mal. On est plus sur la vitesse de pointe. Accélération est importante avec tous les coups qu'on se prend quand même. Bon, je maintiens mon véhicule. Ma Birdo mobile. Birdo, j'aimerais tellement qu'elle revienne dans Mario Kart 8. Oh, s'il vous plaît! En plus des 48 nouveaux niveaux, ajoutez-nous des petits personnages, ce serait tellement bien. Allez. Peach Bowser. Marrant ça comme... Wow. Ouais, je trace ma route. Oh purée. J'arrête de passer entre les objets.
c'est Peach Bowser, le... enfin oui, ça va être Peach Bowser le rival apparemment. Ça va être sympa. Non, reste quand même là. Non. Parfait. Tiens, bien fait. Oh, oh. Oh, c'est pareil qu'il y a les deux princesses là qui vont... Peach Bowser et Daisy Donkey. Ok. Pas de bleu s'il vous plaît. Ok, bon. Pas mal, pas mal, pas mal. Pipoupoupou. Ah. Bon, j'en profite pour vous informer, il y a des nouvelles vidéos sur ma chaîne sur les circuits unitaires. Vous tapez le nom d'un circuit de Mario Kart avec le Mario Kart duquel il appartient. Et vous aurez une vidéo de seulement le circuit, donc pas de let's play, sans commentaire, tout ça. Ça vous permet de bien connaître chaque circuit et puis vous pouvez voir son évolution au fur et à mesure. Je trouvais que ça manquait sur bizarrement sur YouTube, il n'y avait pas ces vidéos-là, pas pour tous les circuits. Donc je me suis relancé, puis vous avez évidemment les let's play de tous les Mario Kart. J'ai loupé mon super départ. Super Mario Kart, Mario Kart 8 Deluxe, Mario Kart 7, Mario Kart DS, Mario Kart Super Circuit, Mario Kart Wii. Doucement, 64. Merde, oh non. Je l'ai pété avec la carapace et du coup j'aurais dû la garder l'œuf. Oula, attention, le cataquac! Mais quel bouffon, t'as foncé dessus! Oh non, oh l'erreur fatale! Oh l'erreur fatale! Purée! Non, si je prends pas d'option en plus, je suis trop vénère! Ouais, c'est ça. Oh purée. Quatrième. Oh là là. Ah, le cataclysme. Non, mais là, la moindre erreur en miroir, c'est. Catastrophe. Bon, ça va. Ça va parce que Peach et Daisy ont inversé leur place, mais là, il faut qu'on. Faut qu'on se reprenne. Oh mon dieu. Quand je dis faut qu'on se reprenne, c'est pas forcément le genre de niveau auquel je pense. J'adore, dans Mario Kart 8 Deluxe, il est tellement bien refait. Toute la déco et tout, oufissime. Je prends trop large tes virages. Cela dit, c'est typiquement le genre de niveau où l'ordi peut se prendre un bon coup.
Ah purée, j'ai pas eu le temps de poser ma banana. Oh parfait. Non, pas parfait. Oh mais quelle foire d'empoigne. Non! C'est pas possible. Non! Oh, c'est pas vrai. Non! Oh, ça va être dur. Ça va être dur d'être en or partout. Bon, à moins d'un miracle sur la dernière. Mais c'est pas grave. Écoutez, on s'entraîne, on s'entraîne. Allez, go. Pas de temps à perdre. La physique aussi est assez particulière. Bon, le fait que je joue en émulateur n'aide pas trop en plus. J'ai l'impression que le peu que j'appuie... Yes. Mon véhicule part à 3000 km. Beaucoup plus corsé que dans le remake, ce niveau. Oh purée, on a eu chaud. Mince. Ouf, oh là 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 là, je le voyais venir à 100%. Pas forcément un gain de temps de faire ça au final, hein. Oh là là là. Oh purée. Bon. On a comme qui dirait un peu abandonné. Je loupe l'étoile en plus. Ça aurait été sympa. Voilà, vaut mieux couper comme ça. Bon. Faut vraiment réfléchir en termes de personnage. Le poids plus quel type d'objet serait susceptible de bien nous aider. Je sais pas au bout de combien de temps j'avais réussi à le finir d'ailleurs à l'époque sur GameCube. Oh, 7ème, youpi. Non, 8ème. Ah non, ça va, Yoshi s'est planté. Non, il va quand même me dépasser. Oh là là, la honte. Alors, avec tous les coups qu'on se prend, est-ce qu'on viserait un pas davantage quand même l'accélération? Et on finit 3ème. On a peut-être besoin de plus d'accélération. On n'a pas besoin de montrer ça. Merci bien. Alors. Alors, si on est devant, c'est vrai que... Je vais repartir sur du léger. Voilà, fond sur l'accélération. Je vais tenter. On va quand même changer un petit peu de... un petit peu de parcours.
attention parce que là je suis léger. Voilà, là je me prends un coup. Voilà, ça, ça peut aider. La grosse banana. Faut être devant. Poum poum poum. Ah salaud. Oh purée. Qui l'a fait péter? Oh non 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 non. J'étais bien parti là. C'est... Je l'ai pas touché cette... Pas toucher la bombe. Purée. Ça, ça va m'agacer. Allez, mec qui me propulse dans les... Allez, passe, 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 passe. Il est juste devant. Juste avant. Oh non! Mince! Oh non! J'étais pas avec le bon personnage. Oh purée. Faut faire gaffe à ça aussi. Tiens, Bowser se trouve avec Junior, c'est marrant. J'aimais bien le principe quand même des duos, c'était marrant. Ce serait bien qu'il y aurait d'avoir une option comme ça dans Mario Kart 8. Le prochain peut-être, c'est quand jamais. Évidemment c'est pour moi. On ne va jamais réussir à finir ce jeu à 100%. Alors, faut que j'essaye tous les cartes jusqu'à ce que je trouve une bonne combinaison. Puis on va être honnête, hein, y a aussi une part de chance, bien sûr. En plus de la compétence, évidemment, mais dans mon cas, j'aurais besoin aussi de chance pour pouvoir réussir. Alors, est-ce que Toad et Toadette avec leur super champignon pourraient pas m'aider aussi pas mal finalement? T'as un banana bleu là? Banana bleu. Carapace bleu. Une banana bleue. Que pourrait faire une banane bleue dans ce jeu? Non! Non, mais non, mais non, mais non. Franchement, c'est pas vrai. Aïe, 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 aïe. Faut être premier ou deux derniers ou espérer qu'il se tape un bon gros couac, une grosse cata. Oh non, la force de l'habitude. Crotte. Oh non. Ouais, allez. C'était bien aussi l'idée des objets spécifiques pour chaque perso. Je trouve que ça a ajouté un petit truc intéressant.
Oh purée. Ah, celui-là en miroir, c'est quelque chose, hein. J'ai beaucoup trop habitué au reste. J'ai l'impression de redécouvrir le niveau là. Ok. Celui-là, je l'adore en même temps. Remettez-le dans Mario Kart 8 Deluxe, il vous please. Bonjour Daisy. Non! Tu es encore troisième. Parce que putain, ils avaient planqué la banane sous la bombe, sous la bouée. J'avais une bombe, du coup je dis bombe. Purée! Troisième. Ok. Ok, troisième. Pa 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 pam. Bon, ici le secret finalement c'était d'être lourd. On va tester un lourd après. Mais lourd en même temps, enfin, tu me diras, il doit y avoir un véhicule lourd qui a une accélération assez bonne. Ouais, il nous faut une bonne accélération. Attends. S'en prend tout le temps dans la tête. J'aurais me taire. De toute façon, on sait que je serai troisième. Ah! Voilà, tu vois, c'est ça que je veux. Triple carapace rouge. Ça, c'est sympa. Ah, sale bête. Attention. Ok. D'accord. Casse-toi le chien. Mais il me fait accélérer à l'envers. Oh purée. J'aime bien la méga banana aussi comme objet. Wack. Senti venir. Oh purée. Et même pas troisième, quatrième. Ouais, comme tu dis. Bon, c'est pas... On va tenter du lourd.
On a bien compris, hein. Le miroir, c'est le bronze. C'est chaud, miroir. Et je trouve que Double Dash est spécifiquement difficile quand même. Ok, bon, du lourd. Qu'est-ce que j'aime bien comme objet de lourd? La bombe, non. La carapace est très très cool. Et le champignon, du coup. Ça peut être pas mal. Avec une bonne accélération. Pff, tu parles, y'a rien d'accélération. Voilà, prendre la voiture de Wario. Oh, pire en pire. Pire en pire, les niveaux de plus en plus difficiles en plus, je raconte pas. Oh non, regarde, ça va être une calamité. Au moindre choc, et Dieu sait qu'il y en aura. Dommage. Mais tu sens que le méga champi c'est cool quand même. Et si je prenais Toad et Toadette après tout? Oh purée. Bon, si jamais j'arrive pas du tout à être bien classé, je m'autorise à recommencer en changeant de personnage. Histoire, jusqu'à ce qu'on trouve quand même un bon... Dites-moi dans les commentaires si vous avez un bon, une bonne recette, vous. Avec qui vous avez particulièrement... Oh purée. Mais c'est quoi cette savonnette en plus, là? Cette bagnole. Bon, next, je commence avec Toad et Toadette. Après tout, je les ai débloqués, hein, c'est pas pour rien. Pas à l'abri d'un miracle non plus, hein. Quatrième, c'est pas assez. Ouais. Alors. Ok. J'avais testé ça la fois dernière. Alors, bon, la vitesse de pointe est bien, mais l'accélération est pas terrible. Ça, c'est super léger en revanche, hein, c'est super dangereux. On va le tester. Allez. On teste ça. Quand on me touche, mais je m'envole comme une mouche. Mais je repars aussitôt. Normalement. Oh, loup. Bah, je me sens déjà plus dans la course qu'avec la voiture de Wario, hein. Oh! Ouais, bah, j'allais me taire. Non mais non, mais non, il y avait un millième de...
T'accélères toujours pas assez vite à mon goût. Et je sens que Toad et Toadette, c'est quand même... C'est quand même pratique. Surtout que le poids, on s'en fout une fois qu'on est en boost de champignons. Passe. Alors, on va attendre un petit peu. Oh non! Bon. C'est pas mieux. Bon, je pense qu'il faut que tu oublies complètement la vitesse de pointe. On oublie. Par contre, je trouve que c'est un bon duo. Allez, on oublie complètement la vitesse de pointe. Bon, c'est le véhicule que j'avais avant, mais... Avec ce duo aussi, on va voir. Plus il est moins léger. Je sais pas où je l'ai lancé. Vite de faire ça. Il va me coller un lourd en tête, évidemment. Voilà, il me colle Bowser. Toujours Bowser en tête, c'est terrible. Merdoum! Oh, puis avec les virages, franchement. Mais merde. Non, c'est un... Ah non. C'était pas un fou. Putain, la méga banana ici. Non! Putain. Un truc bien, s'il te plaît. J'avais réussi à lui tirer dessus. C'est pas trop mal. Honnêtement, je... C'est pas mal. Ça le fait mieux. Allez. Je pense qu'on va, on va rester avec les deux loulous. Après, peut-être que je pourrais prendre un seul des deux loulous. Mais je pense qu'il faudra... Eh oh. Faudra Toad ou Toadette. Et alors après avec qui, je sais pas. Pourquoi je passe par ici? Je passe jamais par ici d'habitude. J'aime pas passer par ici. Oh, ce circuit. Cela dit, on peut compter sur l'ordi pour qu'il puisse se prendre des mandales par les voitures. On va essayer de jouer la safety. Ou ici là où c'est dangereux parce que tu ne vois pas du tout ce qui arrive. Allez, circuit circulation. Alors en plus circulation en contresens. Ça me fait penser à la corniche champignon du coup. Qui était trop facilitée quand elle a été refaite sur Mario Kart 8 là. Boum 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 boum. Attention bus. Ah. Wow 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 wow.
Si Bowser pouvait se prendre un gadin, ce serait parfait. Mais là, avec la chance que j'ai, me prendre une bleue, je pense. Voilà. Dépêche-toi. Double objet. Purée. Oh, Bowser s'est fait dépasser. Ça peut être très bon pour nous. Est-ce qu'il est quand même deuxième? Est-il deuxième? Il est quand même deuxième. Bon, on égalise. Ah, si t'es fait dépasser par Wario, ça aurait été cool. Ah, je me sens... c'est pas mal ce petit duo. Oh, les virages de ce circuit. Oh. Mince, j'avais déjà changé. Bon, tant pis. Oh là, il y a un très bon raccourci sur un champignon. Mince. Ah. Oh. Klaxonner au lieu de... Bon, tant qu'on est devant Bowser, ça va. Arrête de klaxonner. Ah, l'étoile. Je l'ai très mal utilisé, mon champignon. Vise bien le faquin. Non, Mario, t'as pris mon option. Pff, là, je fonce dessus. Champignon, s'il te plaît. Oui. Il s'est pris deux carapaces bleues. Calmos, la folasse là. Par contre, mais Bowser est dans les limbes. Je répète, Bowser est dans les limbes. Non. Non. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant! C'était dégoûtant! Je crois que Bowser est bien au fond là. Yes, c'est pas mal ça! Ça, c'est pas mal! Je crois qu'on a trouvé un bon duo. Mais vous voyez, il faut de la chance aussi, il faut que les autres, les concurrents puissent aussi parfois se prendre des petites mandales. J'aime bien les niveaux comme ça avec un canon et une longue descente.
Quand je klaxonne, c'est que tu sens le mec stressé qui a 10 fois sur le bouton pour essayer d'envoyer la carapace pour buter la carapace derrière. Pareil, ce niveau, quand il a été refait, était largement facilité. Merde, j'aurais pas le temps. Non! Non, mais c'est tout, là! Ça va, oui? Non! Et il faut pas non plus déconner sur la dernière course, hein, ce serait con. Aïe 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 aïe. Oh, puis ça rebondit, mais dans tous les sens, quoi. Un cadeau. Non. Ouf, j'ai survolé la banane. Non! J'ai chu! Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne au niveau des scores? Oh purée, le stress! Je suis dégoûté. Oh purée! Ah, dégoûté. Oh, cette injustice. Bon, j'ai bien aimé en revanche. Je vais faire un mélange des deux. Un 5-2. 2-4-2. On va tester sur ce carte aussi pour voir. Ouais, on va prendre la coupe la plus difficile. Histoire de s'ouvrir un bon coup. Ah, ok. Évidemment. Changement de personnage, parce que là on va avoir besoin du champignon. Je rappelle, cette course aussi, c'est seulement 2 tours. Purée, mais oui, la force de l'habitude. Non!
J'en ai marre d'être toujours face à Bowser là. Oh non, ouf. Non, oh purée, non, pas deux fois de suite. Oh non. Mais c'est l'autre qui a le champignon. Troisième, c'est pas terrible. Lui pas mal comme carte, je vois pas de grosse différence après. Ah si, troisième c'est bad. Bah oui, je quitte. Allez, je retente la champignon. Allez, zou. On est chaud là, on est chaud. On a fait le tour des courses plus difficiles, normalement. Toujours Bowser, hein, par contre. Je pense que Toad invoque Bowser spécialement à chaque fois. Rival attitré. On va s'en débarrasser. Non. Et peut-être qu'on a trouvé enfin le bon duo avec... Oh ! Le bon véhicule. Oh non, pitié. Au moins, c'est pas Bowser qui me dépasse. C'est pas vrai, l'objet il est apparu juste devant mes yeux. Non ! Oh non, pas Bowser, non, pas Bowser. Mais pas Bowser. S'il vous plaît. Oh. Possible. Bon. Allez. Ouais, je pense que j'ai trouvé un bon véhicule, en plus d'un bon binôme. Mais tu vois, une fois que je suis premier, ben là, les Toad et Toadette, ils me servent à rien, quoi. Là, Toad Didi, du coup ? Parce que la grosse banane, quand même, pour les poursuivants, c'est quand même hyper pratique. Tu sais qu'il y en a qui te colle au train. Et puis le méga champi, je pense pas qu'on puisse l'avoir en deuxième ou troisième position, quoi. Pff, putain, j'ai eu chaud! Ça va ou comment ça se passe ?
putain! Pardon. Rageant. Bah heureusement. Heureusement. Bon. Putain, faut avoir les nerfs solides pour ce jeu, franchement. Ok. Oh non, pitié. Putain, c'est la mienne, je suis sûr. Dégage! Sérieusement! Bon. Ça va le faire, allez. Ouais, bien sûr. Je kiffe ce méga champi! Bowser peut pas être devant. Putain, mais carapace bleue là, carapace bleue, mince! Purée, sérieusement! C'est sur le fil. Bon. Et bah tout va jouer sur la dernière. On y croit, ça serait bien, ça serait vraiment une coupe en or. Éviter la tornade surtout. Mais n'empêche que ça va mieux. On le voit, ça va mieux. Pas très bien parce que je vais dans le désert. Cela dit, la pénalité de hors-piste n'est pas énorme avec ce véhicule. Alors surtout voilà, bien à l'extérieur. On coupe pas trop, ça sert à rien. Aïe. Fais gaffe aux Poki. Ils sont énormes et ils prennent toute la place. Ça, quand le circuit a été refait. Ça aussi l'ont facilité. Hein. Bowser 3ème. Tant qu'on est devant Bowser, ça va. Ok. Garder la banane et la carapace. Ça va nous faire des petites protections. Oh, attention. Oh, j'ai fait une échappée là. Mince, ouais, j'ai eu peur avec le Poki. Ça devrait pas nous empêcher de gagner. Et tranquillou là. Bah voilà, c'est ça qu'on veut. Bowser même pas deuxième apparemment. Enfin, si tout se passe bien jusqu'à la fin. Bim, voilà. Et ben voilà une coupe en or. Ah bah on va l'apprécier. Pa-da-pa-pa-pa-pa-pam.
Pam, 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 para pa 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 pam. Et voilà. Un petit cadeau. Ouais, et... Oui, le Toadette Kart. Bah voilà. On va le tester. Enfin, on va voir déjà ce qu'il vaut. Mais en tout cas... Bon, c'est comme celui de tout à l'heure avec le rouge. Paratroupa rouge. Mais... Allez, on va le tenter. Sans que les deux petits loulous là, ça va le faire. Déjà, c'est pas Bowser, ça fait plaisir. Mince. Oh, sale bête, sérieusement. Bon, Bowser est quand même là, hein. Ah mince. Si tu prends aucune option, ça va jamais le faire. Ça au dernier tour, ce serait bien. J'aurais dû garder le champignon pour le raccourci. C'est pas grave. La bombe, attention. Mais je les kiffe, les petits champignons là. On va appuyer dessus. Fonce, 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 fonce. Allez. Donkey Peach, au moins, ça nous changera. Très bien. Mon beau château. Mince. Pas trop sur les côtés, sinon on va se faire manger par les plantes. Non, je voulais pas la tirer à l'arrière. Très bien. Faudrait se débarrasser de Donkey Peach, comme ça. Ils nous embêteront pas trop au classement. Ok. Champipi. Loupépé. Attention. Ah. Mince. Pas elle. Ah.
Je vais bien me faire dépasser par Mario et Bowser, mais pas par Mame Peach. Non ! Ah non, pas troisième. Non ! Non ! Non ! Bon. Alors cette fois-ci, te plante pas. C'est un fer. C'est loupé. Attention, voilà. Ok. C'est bon de sortir le champignon, hein. Évidemment, Peach en tête. Viens ici, petite rascasse, m'occuper de toi. Faut que tu sois 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, 8ème. Dernière. Qu'est-ce que tu fous, purée? J'ai pris trop à l'intérieur. C'est Peach, non? Je crois que c'était Peach. Très bien. Vas-y, hurle. Oh! Bon. Bowser Mario en premier. Peach vénère. Là, en ligne droite, ça peut être pas mal. Allez, Peach Mario dans les limbes, dans les limbes, dans les limbes. Et moi premier, ce serait trop bien. Ok, peut-être pas. Mais les autres dans les limbes. Non, pas Peach! Non! Sérieusement? Mais je l'ai banané juste avant la fin? Oh non! Oh là là, l'injustice. Oh, ce jeu. C'est une folie. Déteste ma souveraine. Bon, là, faut que je sois premier et qu'on ait de la chance sur le deuxième, troisième, quoi, mais... On va aller jusqu'au bout quand même, mais je sens qu'on... On est sur quelque chose. Bah... Putain, mais dérapage par moment, ça fonctionne pas du tout. J'ai beau faire des allers-retours, ça, je passe pas en bleu. Et des fois, voilà, ça se fait tout seul. Là, par exemple, voilà, pourquoi ça veut pas. Oh non, mais non!
Je peux pas me contenter d'être premier, faut que je les élimine. Faut que je les tue. D'où je passe entre les trucs, quoi. Ils sont juste derrière. Non, mais laisse tomber. Bowser, je pourrais pas le faire disparaître comme ça, quoi. De toute façon, il y a Peach juste derrière. Ah là là. Bon, c'est pas mal quand même. Allez, on finit deuxième. C'est pas mal. Si on s'était pas fait dépasser sur, sur le paquebot. Ah là là. On a fait mieux que la fois dernière. C'est ce qu'il faut voir en tête. Bien, et ben on va s'arrêter là pour cet épisode de Mario Kart Double Dash. Comme d'habitude, n'hésitez pas à consulter tous mes autres let's play de Mario Kart. Super Mario Kart, Mario Kart 64, Mario Kart Super Circuit, Mario Kart Double Dash, Mario Kart 8, Mario Kart DS, Mario Kart 7, Mario Kart 8 Deluxe. Je crois que j'oublie personne. Allez, comme d'habitude, vous likez, commentez, partagez, vous abonnez. On se retrouve très bientôt pour la suite de Mario Kart Double Dash. Ciao, ciao!